Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va tester quelque chose. J'aime beaucoup les tests, vous le savez, en ce moment, c'est vraiment... Ma chaîne est remplie de tests, de tests, de tests. On aime les tests. Et je sais que vous aussi, vous aimez bien. Moi, c'est vraiment aussi des vidéos que j'aime regarder puisque quand j'ai éventuellement envie d'acheter quelque chose, quand je vois quelqu'un le tester, si c'est de la merde, au moins je suis au courant. Et si c'est bien, et bah pareil, je suis au courant. Après, on n'aime pas tous les mêmes choses. On ne déteste pas tous les mêmes choses. Donc, bon, c'est bien d'avoir aussi plusieurs avis. Donc, comme je vous l'avais dit dans... Cette femme ne sait plus parler. Comme je vous l'avais dit dans mon haul action que je vous mettrai dans le petit i ici, si j'y pense, faut que j'arrête de dire que je vais mettre dans le petit i alors que je le fais pas. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai acheté ceci. Je sais plus combien je vous ai dit que je les avais payés. Genre 70 centimes peut-être. Je suis même pas sûre. Je sais même plus. Je sais pas si je suis trop blanche. Non, je suis pas trop blanche. Je ne sais pas. Bon, on verra bien. Donc du coup, voilà, j'ai pris ça. Ce sont, donc ils appellent ça des papillotes. Papillotes, voilà. Et en gros, ce sont les petits machins que vous enroulez, blablabla, et ça vous fait des boucles. Je ne sais pas ce qui me prend de le faire aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Ce soir, nous sortons avec mon chéri, je ne sais pas où, puisqu'il me fait une surprise, je ne sais pas où on va. Et apparemment, on doit être quand même assez beau, assez bien habillé, etc. Et donc, si j'ai une tête de caniche, eh bien, je vais devoir me recoiffer avant ce soir. Alors que mes cheveux, vous voyez, bon là, vous le voyez, ils sont pas très très beaux mes cheveux parce que je les ai laissés au naturel. Là, enfin, je sors de la douche, je les ai séchés par contre au sèche-cheveux parce que je voulais vraiment faire la vidéo et je voulais le faire le plus rapidement possible. Mais par contre, voilà, ce qui est très très bien, c'est que ça, c'est sans chaleur. Donc le but, c'est quand même de laisser sécher éventuellement ses cheveux à l'air libre quand même, histoire de 100% faire sans chaleur sur les cheveux. Moi, j'ai séché juste avant, mais après, vous, vous faites comme vous voulez. Donc voilà pourquoi mes cheveux sont tout cacaproute. Hein, parce que je les ai séchés et je les ai brossés comme ça directement. Donc forcément, ils ont un air pas très très joli. Mais on s'en fiche, puisque le but, c'est de se faire une jolie coiffure avec ça. On verra bien. Donc, alors, normalement, c'est très simple. Alors, j'en ai pris 4. Donc en tout il y en a 24 parce qu'il y en a 6 dans chaque truc. Donc on va voir, normalement c'est... Il paraît que c'est très simple à appliquer. Donc on va voir ça. J'ai au moins, j'ai pas 40 couches de cheveux. Donc on verra. Et bon, j'ai les cheveux mi-longs. Donc on verra aussi si ça fait pas trop moche. Parce que je sais que apparemment sur les personnes qui ont les cheveux un peu plus longs, c'est un peu plus joli que les personnes qui ont les cheveux au-dessus des épaules. Moi en l'occurrence, je les ai pas au-dessus des épaules. Donc vu que c'est entre les deux, entre le long et le court, eh bien on va bien voir ce que ça donne. Et par contre, si je commence à galérer à sortir chaque truc, cette vidéo va être un désastre, n'est-ce pas? Alors, ça ressemble à ça. C'est extrêmement mignon en plus, une petite forme de cœur, tout ça. Alors, si j'ai bien compris, par contre, le truc c'est qu'il va falloir que je fasse dans le bon sens. Parce que si je fais les boucles dans un sens en avant, genre c'est horrible. Enfin, moi c'est un truc que j'aime pas du tout. Vous pouvez faire dans les deux sens si vous voulez pour faire un peu de volume et tout. Mais genre là, les mèches de devant, vous savez quand vous allez chez le coiffeur là, vous demandez, vous pouvez boucler les cheveux, machin. Et genre, elles vous font les boucles en avant comme ça. Et c'est juste extrêmement chiant et moche. Enfin, ça n'a aucun intérêt, je comprends pas. Enfin bref. Alors, donc du coup, je suppose qu'il faut enlever le petit bidule du milieu. Donc ça va aller à la poubelle. Encore des choses à mettre à la poubelle, bravo. Et normalement, alors moi je vais faire quelque chose, c'est que je vais m'attacher les cheveux. Et je vais faire d'abord le bas et je vais remonter au fur et à mesure. Je pense que ce sera beaucoup plus logique. On va s'attacher cette petite tronche de cake. Hop, 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 hop. Ne faites pas attention encore à mes boutons. D'ailleurs, il faudra que je vous parle d'une crème. Là, je la teste seulement depuis 2 jours et demi. Et je la trouve déjà très très bien. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Genre, je sais pas, 2 semaines. Et je vous en dirai des nouvelles si toutefois, eh bien, elle s'avère toujours bien à mes yeux. Voilà. Alors, du coup, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il faut mettre comme ça la mèche. Alors, je vais essayer de faire des pas trop trop grosses mèches. Hein. Et j'espère que j'en aurai assez. Dans ce cas-là, je ferai des plus grosses en haut. Et vous devez aller au bout et enrouler, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous laisse sur le côté pour vous montrer. Faites comme ça. Et apparemment, après, il faut mettre le bidule là, dans l'espèce de trou là que je vous ai montré. Et voilà. Ouh là là. En train de péter le machin. Et normalement, c'est censé être bon. Alors, donc, et voilà. Et après, vous répétez... La mise au point, merci. Et après, vous répétez la chose, eh bien, autant de fois qu'il le faut.
Donc moi voilà, j'ai vraiment fait en sorte d'en prendre plusieurs parce que je pense que en fait, si vous voulez des plus ou moins grosses boucles, eh bien, vous pouvez faire sur plein plein de mèches et dans ce cas-là, ça va vous faire des plus petites boucles et ça va vous faire un effet différent. Et sinon, eh bien, vous pouvez faire sur des grosses mèches et en mettre que vraiment quelques-uns, genre limite 6 et ça vous fait des grosses boucles ou juste ça vous fait peut-être une espèce d'ondulation. On ne sait pas, il faudrait que je teste déjà comme ça pour voir si c'est pas mal. Et puis, bah, on verra quoi. Et puis voilà, on verra si c'est sympa. Et puis si c'est sympa, je testerai de différentes manières, voir. Donc voilà, je me suis dit que 24, c'était pas mal. Parce que je savais pas trop en fait comment ça allait être, donc je me suis dit... Autant en prendre quand même quelques-uns. Mais c'est quoi cette mise au point là? Normalement la mise au point maintenant devrait se faire correctement. J'espère que ça n'a pas été trop le cas parce que je regardais pas le retour. Donc j'espère que ça n'a pas été trop trop flou depuis le début dont je commence à vous parler. Et sinon je suis vraiment navrée. Donc voilà, on va mettre toute cette partie en accéléré parce que bon, hein, c'est pas très intéressant de voir toutes les mèches faites une par une. Donc c'est parti. Cette défaite. Arthur, tu verras, tout recommencera, tu verras. Bon, voilà cette magnifique tête. J'ai mis à peu près, j'ai mis même pas 10 minutes, je crois, à mettre tout ça. Du coup, j'en ai mis quoi, 12, 13, je crois que j'en ai mis 14 ou 15 dans mes cheveux. Je sais plus exactement. Un truc comme ça, donc voilà. Merde, putain, il faut que je mette tout ça à la poubelle. Excusez-moi, tant de gros mots. Voyons. Donc voilà cette magnifique tête. Je suis prête à sortir là, la Saint-Valentin. Bien que j'ai des cornes là. C'est pas possible. Bon, et donc du coup, il faut laisser poser tout ça normalement pendant environ une heure, il me semble, de ce qu'ils disent. Voilà, 60 minutes, enlever les papillotes, blablabla. Donc voilà. Mais après, ils disent qu'il faut laisser le plus longtemps possible. Donc moi, je vais laisser minimum une heure. Et puis voilà. Et puis bah, je vous retrouve dans une heure, ou deux, ou trois, j'en sais rien. Peut-être plutôt dans une heure, parce que si jamais c'est immonde. Pour relisser par-dessus tout ça, ça va être sympathique. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça fait 1h40 du coup que j'ai ça sur la tronche. Mais voilà, j'ai attendu un maximum. J'avais dit que j'avais attendu un peu plus d'une heure. Enfin, que j'avais essayé en tout cas d'attendre un peu plus d'une heure. Ce que j'ai fait, puisque ça fait à peu près 1h40. Mais là, j'ai trop envie de voir le résultat. Et surtout, de voir si je vais devoir rattraper tout ça pour ce soir. Puisque là, il est 17h10. Donc voilà. Donc c'est parti, on va commencer à retirer et puis bah, je vais commencer par retirer celle que j'ai fait dès le début. Donc c'est parti, surtout j'ai peur que ce soit pas du bon sens et tout, que ce soit trop bizarre. Aïe 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 aïe. Je sais plus. Oh. Ah non, bah première impression très bien, je sais pas si vous arrivez à voir. Très joli. Je pense que le plus important surtout que... Enfin, c'est celle du dessus de la tête quoi, qui doit vraiment être jolie parce que sinon ça va être la catastrophe. Hein. Par contre, c'est pas du tout désagréable à avoir sur la tête. Hein. Oh. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est joli mais pas de haut jusqu'en bas. Je dirais que ça fait plus une coiffure... Enfin là, avoir les boucles comme ça, ça fait plus genre, je sais pas, années 50 ou un truc comme ça. Je sais pas trop. Si je suis dans le mauvais sens, sinon ça me tire les cheveux de ouf. Putain. What the fuck? Seigneur, j'ai très peur de devoir attraper tout ça. Bon, je vous retrouve après avoir enlevé tout ça. Bon. Voilà le résultat. Je vous parlais des coiffeuses, des coiffeurs qui faisaient des boucles bizarres vers l'avant. Mais clairement, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Enfin, ça va vers l'arrière, mais je sens que ça va être à rattraper avec le lisseur. Après, je suis pas déçue. Sincèrement, ce que je trouve top, par contre, c'est, je sais pas si vous voyez, mais ça fait du volume. Et ça, je trouve ça hyper beau. Que ça fasse du volume. Après,
Non, franchement, je trouve ça pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'essaie de vous montrer un petit peu. En espérant que ça fasse la mise au point. Parce que je ne sais pas ce qu'a mon appareil photo, là. Mais il a un mal de dingue. Là, c'est bon. Il a un mal de dingue à faire la mise au point, là. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a décidé de bugger. Je comprends pas. Bon. En tout cas, voilà, je vous montre. Je vous montre. Bon, il y a quelques mèches à rattraper, hein. Mais en soi, sincèrement, j'aime bien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Je trouve que ça fait du volume, ça fait pas des boucles trop définies. Ça fait, voilà, comme si on avait un petit brushing, tout ça. Enfin, c'est joli, c'est classe, c'est ni trop, ni pas assez. Après, voilà, il y a certaines boucles qui se... Je pense qu'il faut savoir le faire, vraiment, savoir comment... enrouler vraiment bien la mèche, soit bien serré, faire attention à que les boucles soient bien serrées ou pas trop en fonction de ce qu'on veut, enfin les machins ne soient pas trop serrés. Là je pense que, enfin il y en a, je sais que je les ai serrés plus que d'autres parce que forcément on a plus le coup de main à certains endroits sur notre tête. Voilà, je suis plutôt satisfaite franchement, je m'attendais à quelque chose de pire. Je pense par contre que forcément je vais repasser des petits coups de lisseur pour faire des boucles par-ci par-là, histoire de rattraper un peu, genre là devant, là, ce côté-là, c'est pas possible quoi, ça me stresse trop, ça va me gonfler. Et puis il y a des petites mèches qui se barrent, hein, on sait pas trop, c'est un petit peu fouillis, mais par contre, voilà, ça fait du volume, ça fait, je trouve que c'est pour des boucles sans chaleur, si vous voulez pas abîmer vos cheveux, je pense que c'est pas mal. Juste, je pense qu'il faut vraiment savoir comment utiliser les petites papillotes et comment, enfin, dans quel sens les mettre, etc. Et puis, bah, après, à vous de voir si vous voulez plus ou moins. Moi, j'aurais pu faire des beaucoup plus petites mèches parce que vous voyez, il me reste encore tout ça. Du coup, j'ai compté et j'en ai utilisé 13 en fait. Enfin, attendez. Non, j'en ai utilisé 14 du coup. Alors attendez, 12, 13, oui, j'en ai utilisé 14 en tout. Et donc, il me reste encore, bah voilà, tout ça quoi. Donc, j'aurais pu en faire des plus petites. Parce que là, il y en a 6 et là, il en reste 4 du coup dans celui-ci. Je ramasserai après. Donc, j'aurais pu en faire des un peu plus petites et avoir des plus petites boucles. Donc, voilà. Bon, après, c'est pas the truc non plus du siècle, mais je trouve que c'est pas mal. Franchement, on va dire que je valide ce test, je le trouve pas mal, je vais juste le rattraper un petit peu et voilà. Mais pour un truc assez naturel, c'est cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et puis que peut-être que ça vous plaît, voilà, de savoir que bah, qu'il existe des trucs comme ça chez Action qui coûtent vraiment vraiment pas cher et qui peut vous faire des boucles sans chaleur. Ça peut être pas mal. Après, voilà, à voir comment utiliser la chose un petit peu mieux. Vous savez qu'il y en a chez Action. Vous pouvez faire ça avec plein d'autres trucs. Hein. Je crois qu'il y a des espèces de... Ça, il faudrait que je teste un jour, c'est les espèces de bâtons avec une, comment, un truc en fer dedans, vous voyez, vous les entortillez là. Je sais pas si vous avez compris de quoi je parlais, il faudrait que je teste un jour ça, mais voilà, dites-moi si vous, en tout cas, vous avez déjà utilisé ces trucs-là ou un truc du même style sans chaleur, si c'est bien ou pas. Par contre, le seul truc, c'est que je ne sais pas si ça va tenir toute la journée, enfin toute la fin de journée, je ne sais pas si ça dure plusieurs jours. Et là, je ne vais pas vraiment faire le test en sachant que je vais après redéfinir un peu les boucles. Parce que voilà, je veux être un minimum mignonne pour ce soir quand même. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !